Ce concours célèbre la transmission des savoir-faire et des savoir-faire effectivement à la française. Les candidats doivent faire tous les produits de A à Z. Cette année, c'est du chevreuil avec trois garnitures, betterave cuite ou crue, un soufflé de pommes de terre et une garniture libre. Et après, on leur a demandé de faire un dessert sur la base d'un opéra. Non, il n'y a pas de stress. Juste un petit peu, mais c'est comme d'habitude. Dans l'Eston, c'est la même chose. Faire des concours permet effectivement d'améliorer sa technique de base. Je trouve que c'est un challenge et c'est toujours bon et bien de devoir se dépasser. Aujourd'hui, je m'en fiche de la place. C'est pas vrai, on peut tous être premier. Mais si je sors ce que je veux, déjà je suis le plus heureux des hommes. La première chose, c'est qu'on veut qu'ils se mettent bien en place, qu'ils soient décontractés pour pouvoir faire le meilleur travail possible. Et pour l'instant, tout se passe bien, ils arrivent à travailler comme ils le veulent. Moi, c'était un chevreuil de chasse. On avait juste une viande qui était rôtie et rosée, ensuite après qui était simplement laquée au pinceau, et ensuite au-dessus, on avait des herbes. Et ensuite, on avait fait des tubes en feuilletage dans lesquels on avait mis une betterave blanche en purée qui était servie à la graine de moutarde. Un chromeski de betterave et de pommes Granny Smith, un petit navet farci avec un dôme en champignons et la selle de chevreuil avec une farce noisette et épines vinettes sur l'extérieur. J'ai tout donné aujourd'hui pour pas avoir de regrets. Je pense que le point fort c'était le chevreuil. J'ai pris parti de travailler ça un peu comme un rôti. Avec les parages, j'ai fait une farce à pâté avec du lard colonnata, du jus de chevreuil, des aromates et puis une farce de champignons qui venait envelopper le tout et cuit doucement, basse température et après glacé au jus. Aujourd'hui, je prépare une selle de chevreuil avec une farce, à la blette, aux châtaignes, un peu végétale. J'ai préparé un petit chou farci en garniture libre. C'est rustique, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et puis un dôme de betterave en pickles et chutney, un peu acide pour apporter ce côté vif. Nous à deux, nous représentons 50 points sur ce concours et l'ensemble des jurys de dégustation travaillent pour 150 points. Et je trouve que le niveau général est assez équivalent, c'est-à-dire qu'on a du mal nous-mêmes à se faire un tiercé gagnant. Et donc c'est excitant, c'est-à-dire qu'on aura la même curiosité de découvrir le lauréat de cette année. Une gelée de mandarine yuzu. Je suis reparti sur une mousse chocolat au grué. Je suis pas du tout sucré, je savais que c'était mon point faible. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire au mieux, tout simplement. J'ai beaucoup aimé mon dessert.
L'Irish Coffee, ça m'a parlé tout de suite et puis j'ai pris plaisir à le faire, vraiment. La France et le Japon sont les deux seuls pays au monde où le patrimoine gastronomique et l'art de la table ont été mis au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Avec la société Masaki, nous invitons le vainqueur pendant une semaine au Japon. C'est juste magnifique. Le prix du meilleur commis cuisine revient à Monsieur Flavien Gradley. Maintenant, le premier, Julien Largeron. Félicitations. Merci. Aujourd'hui, on a eu de très beaux plats. Tout a bien travaillé. On était vraiment satisfaits du résultat. Un concours, ça nous fait grandir, ça nous fait avancer dans le métier. Bon, évidemment, quand on gagne, on est toujours plus content. Mais il faut le prendre, je pense, positivement, quoi qu'il arrive.